sorti. Madame la Cour, venez la suite, Joël.
Manager. Bonjour. On voulait un peu avoir un peu, tu vois, aidez-moi un peu, un dernier regroupement. Mais Salami, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire et puis programme pour un stage à Dubaï. Toujours
notre entraîneur principal. C'est l'entraîneur adjoint qui donne l'entraînement et puis avec les joueurs, on a joué à Boutoumazara. Nombre de 20. Nombre de 20. Donc, oui, bah, vous, en Belgique, en Angleterre, en Qatar, en Hollande, en Suisse. Donc, on se passe à répondre à mon professeur, la coach. Alors, ce photo, c'est la coach Florian Lobby. Lobby est pour continuer la préparation. Match, tout le match samedi. Samedi, après-midi. Et puis, deuxième match, on est tout à l'heure, voilà les restes à bouillir mon torré bané, mon tisilé mon torré bané. Ah, ça, quoi. Si tout ça, on a pour régisser. Côté internat, c'est du côté d'une chanson de la roue, matin, il y a un autre. Non, tu n'as qu'à ce qu'un programme pour les ans, pas prérogative. Le programme, moi, je suis pas ici, donc. Je suis l'entraîneur adjoint de Florent. Pour ceux qui viennent d'arriver, bon, les anciens, on a passé presque une année, presque une année ensemble. Donc il y a une certaine dynamique qui s'est créée dans cette équipe. Je crois que c'était la force de l'équipe. Florent lui-même, il vous le dira. Bon, comme c'est la première séance avec des nouveaux, on essaie toujours de rappeler les principes, c'est la force de l'équipe, c'est l'amitié. On vit ensemble, les garçons qui ont vécu pendant une certaine période sans aucun ambule, sans aucun ambule. Grâce à cette force-là, pour ceux qui viennent maintenant, la plupart Florent a discuté avec vous, pour ce qui concerne la sélection, je crois qu'il n'y aura pas de changement dans ce domaine-là. D'abord, on veut faire un groupe de garçons qui peuvent vivre une semaine, un mois ensemble, sans difficulté. Je crois que vous êtes
tous des grands garçons, hein, intelligents. Nous espérons que ça sera vraiment une bonne continuité. Une bonne continuité. Et cette continuité commence par le match contre l'Irak. Hein, ces matchs, ne les prenez pas à la légère. Ils font qu'on garde cette dynamique. Hein, la dynamique qui fait qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis comme la plupart ici, hein, moi ça fait presque 40 ans, moi je vis en France, hein, ça fait presque la première fois qu'on sent une dynamique au pays, hein, au Congo, hein, une dynamique du peuple derrière son équipe nationale. C'est inimaginable, inimaginable. Et cette dynamique-là, il faut qu'on essaie de la garder et de la conserver. Et ça passe par ces matchs contre l'Irak. Ne prenez pas la légère, l'équipe d'Irak, c'est peut-être pas un pays ou une nation de football, hein, mais c'est une petite équipe qui a des joueurs, des talents, des très bons dribblers, des très bons techniciens, hein, qui sont capables de casser de notre dynamique, parce que ça va très vite au pays, hein. Ça critique, ça fait n'importe quoi, hein. Mais tout dépendra de votre sérieux et de votre application dans la préparation de ces deux matchs. Ok, ben Florent continuera à vous parler dès demain, hein, il sera là, mais on vous souhaite vraiment le bienvenu, on vous accueille avec beaucoup de joie et des plaisirs pour travailler dans cette équipe-là. Voilà. Pour la séance d'aujourd'hui, bon, comme hier c'était difficile, la plupart n'ont pas dormi, il faudra qu'on fasse une séance. Thank you.